Bonjour, je suis Maximo et je vais vous montrer des photos de mon enfance. Sur les premières photos, j'étais à Rome, à côté du Bocca della Verità. C'est une sculpture sur marbre qui se pareille à un masque. La légende disait qu'il mordait ta main si tu mentais au cul. On peut voir que le masque ne mangeait pas ma main, parce que je ne mentais pas beaucoup. En plus, sur les photos, j'y avais 5 ans, et je porte des vêtements rouges parce que c'est une de mes couleurs préférées. Sur la deuxième photo, j'étais au Colorado avec ma grand-mère. Après d'attendre plusieurs temps, ma grand-mère m'aidait à capturer les poissons. Cette soir, pour dîner, nous mangeons le poisson et j'étais très content de l'avoir capturé. C'était la première fois que je pêchais. Finalement, sur la troisième photo, j'étais à Marseille, devant le palais du Pharaon. Ce palais est un monument marseillais dont la construction est ordonnée par Napoléon Bonaparte pour s'épouse, l'impératrice Eugénie. Le palais est très intéressant et j'adorais le parc qui se trouve devant le palais. Merci beaucoup pour votre attention. Pour cette photo, j'étais déguisée en abeille parce que j'allais à une fête costumée. Sur cette photo, j'ai mangé une bague à papa à la foire en été. Et finalement, sur cette photo, j'ai téléphoné à mon père avec la télécommande de la télé. Cette photo est ma préférée parce que j'ai porté des très petites nattes. Bonjour, je vais montrer trois photos de mon enfance. Sur cette photo, j'étais 4 ans. J'étais à mon village, Villanueva del Trabuco. Nous célébrions la fête plus importante de mon village. Sur la seconde photo, j'étais 5 ans. Je me déguisais de lion parce que c'était le vestiaire de mon premier spectacle de danse. Sur la troisième photo, j'étais 8 ans et j'étais danse dans la télé avec mon groupe de danse, la Torbellino Estepona. Nous étions à Barcelone, Londres et Sydney. Dans la première photo, quand j'étais petit, j'ai passé du temps à la campagne avec ma famille. Et cela, j'étais avec mon grand-père. Dans la deuxième photo, quand j'étais petit, j'ai joué avec mes cousines dans la campagne. Et j'étais sur cette photo avec mon cousin, j'étais avec les chiens. Dans la troisième photo, quand j'étais petit, j'aimais les voitures et les motos. Et sur cette photo, je jouais avec la moto que mon oncle m'a donnée. Sur cette photo, j'avais 8 ans. J'étais dans la maison de campagne et j'allais faire un gâteau aux carottes avec ma grand-mère. Le gâteau est sorti très bon. Sur cette photo, j'avais 6 ans. Je suis allé conduire mes oncles m'ont emmené. J'ai passé très bien. Les jours suivants, je voulais répéter. Sur cette photo, j'avais 7 ans. C'était ma première fois chez le dentiste. Au début, j'avais un peu de peur et je ne voulais pas aller. Mais après, ils m'ont donné un jouet parce que je me comportais très bien. Cette photo a été prise dans un studio car ce sont les photos de la communion de ma sœur, qui est celle sur la photo. Puis,
ils lui ont fait un CD avec toutes les photos de ses jours. Sur cette photo, j'étais avec mon petit lapin appelé Dumbo, comme celui du film Bambi. Il était très gentil et il aimait les carottes et les tomates. Sur cette photo, j'étais en train de ranger les jardins de mon ancienne maison, car nous avions acheté des graines et je voulais les planter. Alors, ils m'ont acheté un petit râteau pour le faire. Bonjour, je m'appelle Caroline et je vais vous montrer et parler de trois photos de moi quand j'étais petite. Dans la première photo, j'avais 6 ans. J'étais à la plage en train de m'enterrer avec le sable. Dans la deuxième photo, j'avais 5 ans. J'aimais me déguiser et je me déguisais d'une princesse. J'étais avec une amie. Et dans la troisième photo, j'avais 8 ans. Je voulais voyager et j'ai fait une carte pour y aller de ma maison. J'avais un visage que je ne savais pas comment me situer sur la carte. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Erika et je vais parler de mes photos d'enfant. Sur cette photo, j'avais un an et j'étais sur le lit de mes parents. J'ai porté un pyjama en coton blanc et marron et un diadème de princesse rose. À côté de moi, il y avait mes canards jouets et j'étais très heureuse. Sur cette photo, j'avais un an et demi et j'étais dans mon salon avec ma sœur. Je portais un t-shirt et une veste rose, un jean et un chapeau rose et bleu. De plus, j'étais avec ma tutan bleue et nous étions heureux. Sur cette photo, j'avais 10 ans. J'étais assis sur le canapé chez moi, à côté de ma sœur et je la regardais. Je portais un pyjama blanc avec des poissons roses dessus. Et j'avais aussi ma tétan. Sur cette photo, j'ai porté un costume de médecin parce que quand j'étais petite, j'adorais jouer au docteur et je voulais être chirurgien. Sur cette photo, j'étais dans une compétition de karaté avec mon ami. Un garçon m'a donné un coup dans l'œil et j'ai pleuré beaucoup. Mais sur la photo, j'étais heureuse et préparée pour lutter. Sur cette photo, j'ai fait un défilé de Hawaïen. J'étais avec mon petit ami Hugo. Il voulait aller de pair tous les jours. C'était le meilleur jour de l'école quand je vivais en cancelado. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Et ce sont les photos que je vais présenter. Sur la première photo, je suis avec mon oncle. Debe ser el San Isidro pour voir la procession avec ma famille. Sur la deuxième photo, j'étais avec mes amis. On était au parc aquatique pour passer la journée. À ce jeté, dans la de toboggan. Sur la troisième photo, c'était le 9 juillet 2017. Et j'étais à la foire avec mon père. Cette photo, c'était du même jour où je suis allé au selvo avec mes amis et nous étions avec des perroquets et un serpent. Et sur la dernière photo, j'étais dans le même selvo, mais c'était autre jour où je suis allé seul avec ma famille et j'étais attrapé en aigle. Sur cette photo, j'étais dans un vélo à trois roues avec le pyjama parce que c'était nuit et je venais de dîner. Sur cette photo, j'étais pendé le biberon. Le biberon n'est pas du lait, c'était de l'eau. Ma mère dit que quand je finis, il la lissait par terre. Sur cette photo, j'étais dans la plage avec mon père, ma mère et ma grand-mère.
J'étais sur la piscine gonflable avec des jouets comme la douche qui est là. Sur la première photo, je vais être sain et j'ai dévigé une vache parce que je devais faire une vague puisque c'était le dernier jour de la maternelle. Sur la deuxième photo, j'avais aussi très sain et c'était Halloween. J'ai dévigé comme mon super-héros préféré, Spider-Man. J'étais avec les chiens de mon oncle et de ma tante. Finalement, sur la dernière photo, j'avais 5 ans. Et j'ai joué à le boxer avec mon père dans ma maison. Sur cette photo, j'étais avec un gâteau avec bonbons dans les mains parce que ce jour était mon jour de scène. Sur cette photo, j'étais dans le salon de ma maison en 2013. Sur cette photo, j'étais avec ma mère sur un banc à côté d'un parc. C'était une journée avec du soleil et ma mère et moi portions des lunettes de soleil. Sur cette photo, j'avais 6 ans. Sur cette photo, nous étions ma mère, ma sœur et moi un jour quand j'avais 10 ans. Nous allions à la campagne faire de la randonnée. Cette photo est dans une ville appelée Genalguacil. Ce jour, j'allais boire les Coupes du Rhône à Madrid sur les tours. J'allais regarder un match avec mon équipe de foot et mes amis. J'allais déjeuner avant un match dans un bar avec mon uniforme. Cet match nul, perdu injustement. J'allais faire un arrêt, mais le ballon est sorti des limites. Cet match finirait gagnant et gagnant le championnat. C'est fini. Sur cette photo, Alice et moi étions en classe. Nous avions 6 ans. Nous étions assis sur les chaises avec le bras sur les tables. Nous avions les cheveux en queue de cheval. Alice portait une chemise bleue foncée et moi une chemise violette et rose. Sur cette photo, nous étions ma tante Marie et moi. C'était en 2012. Nous regardions l'Espagne en Eurocoupe. Ma tante avait 17 ans et moi 4 ans. Ma tante me faisait un câlin et moi était avec ma visage plein de drapeaux d'Espagne. Et une chemise de l'équipe nationale espagnole. Et nous sourions à la caméra. Sur cette photo, j'étais seule avec mon skateboard qui avait 4 roues, 2 bleus et 2 rouges. Sur le fond, il y avait des poissons de ces 2 couleurs. Je portais une chemise rose, des pantalons marron foncé et des chaussures orientées. Je portais un casque rose sur la tête. Et j'allais avec ma mère et ma soeur à la promenade pour passer la matinée. Bonjour, je suis Samira et je vais parler des 3 photos de moi quand j'étais enfant. Dans les premières photos, j'étais avec ma grande soeur dans les parcs. Nous amions à les jouer et voir qui pouvait monter le plus haut sur la balançoire. Dans la deuxième photo, j'étais avec mon père et ma soeur sur la plage dans la mer. Ce jour, nous avons nagé et joué beaucoup. Puis, nous sommes allés manger en glace.
Dans la troisième photo, j'étais avec ma sœur et les chiens de ma tante. Nous marchions le long de la rivière. Ma sœur et moi aimions beaucoup être habillés avec les mêmes vêtements. C'est moi quand je veux 4 ans. C'est une photo de mon école d'avant. Je n'ai jamais eu de devoir qui était très bon. C'est moi quand je vais juste en un. Ici, ils m'ont ébloui pour la première fois. C'est moi quand je vais 16 ans. J'ai préparé la nourriture car il y avait une match en Espagne et j'étais très excitée. Sur cette photo, j'avais 3 ans en ambulance et mon frère 6. Et j'étais avec mon frère et mon père au Corte Inglés. Dans cette photo, j'avais 3 ans aussi. Et j'étais avec mon frère et au Malaga pour voir les lumières. Dans cette photo, j'avais 4 ans et mon frère avait 7 ans. Et nous étions dans ma maison. Bonjour, je suis Zaira. J'étais dans les aéroports et en train de danser. Et le second fond, je me suis désiré Blancanieves pour le carnaval. Et finalement, et dans les derniers, j'étais à une communion.